La gendarmerie nationale et l'armée de terre assurent régulièrement des permanences à la mission locale Vendée Atlantique. Aujourd'hui, elle teste une nouvelle formule, un forum de recrutement qui regroupe la gendarmerie, la police, la marine nationale, l'armée de l'air et l'armée de terre pour présenter aux jeunes les possibilités de carrière dans le domaine de la défense et la sécurité. Ils viennent avec leurs questions et puis on fait tout pour y répondre, pour leur présenter donc éventuellement un métier qui pourrait les intéresser, sachant que chez nous, ils peuvent faire tous les types de métiers qu'il y a dans le civil. Notre travail, nous, c'est de leur donner envie, mais sans leur cacher la vérité. Répondre franchement aux questions qui sont posées et essayer de leur expliquer le plus concrètement possible ce qu'ils seront amenés à faire et à vivre chez nous. Des possibilités de carrière dans la plupart des domaines tout en gardant le côté action des métiers militaires. De quoi séduire les jeunes, comme Thibaut Thierry par exemple, titulaire d'un CAP prothésiste dentaire. J'ai du mal à trouver du travail en ce moment et puis je me suis renseigné au niveau de l'armée pour savoir les corps de métiers qu'il y avait au sein de l'armée. J'ai à peu près toutes les réponses à mes questions. Au niveau de l'armée de terre, il y avait quelque chose qui me plaisait. Au niveau médical, j'ai jusqu'en septembre pour réfléchir et puis après je verrai. Sa décision l'amènera peut-être à rejoindre les rangs de l'armée de terre aux côtés des 13 000 à 15 000 jeunes recrutés chaque année.